La guerre en Syrie a fait mardi de nouvelles victimes civiles. Trois immeubles du quartier populaire de Jabal Badro à Alep se sont effondrés après avoir été pris pour cible par un missile. Le bilan est lourd, au moins 31 morts dont 14 enfants. Plusieurs habitants seraient encore ensevelis sous les décombres. Des violences également ce mardi à Damas. Trois obus sont tombés pour la première fois près du palais présidentiel de Tichrine, dans le nord-ouest de la capitale. Ils n'ont fait aucune victime, seulement des dégâts matériels. L'agence officielle Sana a attribué ces tirs à des groupes terroristes. Par ailleurs, les combats se sont intensifiés ces derniers jours dans la région de Deraa au sud de la Syrie, entraînant un afflux de réfugiés vers la Jordanie. Selon les autorités jordaniennes, plus de 300 000 Syriens auraient franchi la frontière depuis le début de la guerre, il y a 2 ans.